Et je suis une femme et je suis bien foutue, donc t'inquiète que mon corps il le voit. En fait, tout à l'heure, tu as dit un truc, tu as dit ma soeur qui se fait agresser dans le 18e parce qu'elle porte pas le voile. Alors c'est fou parce que tu vois, moi je suis allée dans le 18e bah, justement pour le secours populaire régulièrement et il y a beaucoup de contrôles de police là-bas. Et bizarrement, j'ai aussi marché dans le 18e étant une personnalité publique. Je peux te dire que je pense que les gens viennent plus me voir et plus m'embêter, moi que ta soeur. Et j'ai déjà marché dans le 18e le soir. Peut-être qu'ils te demandent des ouais, photos, mais toi. Les gens me reconnaissent pas toujours, tu vois. Et je suis une femme et je suis bien foutue, donc t'inquiète que mon corps il le voit. Bizarrement, il n'y a jamais personne mais qui m'a affiché parce que aussi, je portais pas le voile. Ah, donc moi j'ai pas la carte. Tu me la présenteras. Donc en fait, bah, moi j'ai pas la carte. Va aller pisser un peu. Il y a ta copine d'ailleurs. C'est quoi, ta soeur elle est mannequin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma soeur se fait emmerder à longueur de journée dans les rues. Et moi, regarde-moi, tu crois que j'ai besoin de mannequin? Bizarrement, elle s'est pas emmerdée en 16. Non, c'est pas vrai. Je suis désolée. Comment ça, c'est pas vrai? Non, une jolie fille dans le 18ème, elle s'est emmerdée. Mais c'est pas vrai, tu fais pas plus emmerder à Châtelet que dans le 18ème. J'ai habité dans le 75. Châtelet, ça te fait mal, les gars. Écoute-moi bien. Mon dernier appartement parisien. Pas dans le 16ème. Pas dans le 16ème. Mon appartement parisien, il était dans le 75, 116. D'accord? Et ben, quand je marche dans la rue, à partir du moment où je suis habillée comme ça. Mais qu'est-ce que tu crois, tous les mecs, tous les dicks ça qu'il y a dans la rue chaque jour, chaque mec que tu croises, les dicks ça, c'est tous les mecs que tu croises quand t'es une fille, tous les mecs que tu croises, et toi tu dis le 18ème. Non mais oui, mais non, mais il y a personne qui croit ça. Vas-y, ta soeur, ils lui donnent même pas l'heure dans le 18ème, c'est du pain sans farine pour eux, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? S'en fiche, c'est pas le problème. Mais non, mais ils veulent pas, en fait, il veut pas accepter sa réalité, c'est une femme, elle te donne son témoignage. Si elle va dans le 18, non mais ça veut dire que bientôt, moi j'y suis allée. Je vais te dire, je m'appelle Alix, tu vas dire non, c'est pas voilà. Non, allez, vas-y, arrêtez, on stade. Ok, il y a qu'une femme en plateau qui donne son vécu et il y a trois mecs. Non, le pire, c'est qu'on parle. Attends, mais tu parles de ta sœur. Tu parles de ta sœur, Garen. T'es un mytho, je suis sûr que t'as même pas de sœur. Je vais aller vérifier si t'as une sœur. Tu parles de ta sœur, moi je parle de moi, du 18ème dans lequel je suis allée régulièrement. Trois choses. Alors, première chose, c'est que là, l'argument, c'est de dire que Alix, c'est la seule femme.